Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui es heureux parce que l'été commence enfin à pointer le bout de son nez. Enfin, si on y réfléchit bien, elle l'avait déjà fait depuis un petit moment, depuis le début de cette année. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mai, que dois-tu absolument voir dans les salles? Gloria Bell. Il y a des cinéastes qui font leur petit bout de chemin dans cette émission, qui partent et reviennent d'année en année, et qui décident de ramener une œuvre qui va me bouleverser et m'entraîner dans des retranchements que moi-même, je n'aurais pas forcément soupçonné plus que cela. Et pourtant, c'est clairement le cas du nouveau long-métrage d'un cinéaste qui fut, il y a 2 ans, une petite révélation pour moi. Et il est évident qu'avec son nouveau morceau de bravoure cinématographique, Sébastien Lelio s'impose une nouvelle fois comme l'un des plus grands cinéastes du monde, en livrant ici un métrage qui, lors de sa sortie, a eu du mal à s'imposer une nouvelle fois. Dans les salles françaises, la faute à un mois de mai un tantinet ravagé par un film sorti le mois précédent, qui ne laissa que des miettes aux autres longs métrages, comme celui-ci, cherchant à se faire une petite place au sein des salles obscures. Il est indéniable qu'à mes yeux, il s'agit d'une œuvre magnifique. Peut-être pas forcément la meilleure de Sébastien Lelio, mais une de ses plus abouties et une de ses plus intelligentes. J'adore le style du cinéaste argentin. Et une nouvelle fois ici, il y a tout ce qui fait son charme en tant que metteur en scène. Il y a de l'inventivité, de la beauté, de la douceur, de l'émotion, de la brutalité, bref, il y a tout ce qui fait la puissance et la justesse d'une belle et grande œuvre de cinéma symbolique et émouvante qui transcende totalement l'idée de 7e art selon moi et qui donne lieu à un moment tout simplement suspendu. La mise en scène, sublime et constamment dans l'envie d'émouvoir le spectateur, la musique, toujours aussi planante et envoûtante dont il a le secret, la justesse des différentes interprétations qui jalonnent l'ensemble du métrage, la maîtrise avec laquelle le cinéaste sait faire en sorte de nous entraîner dans des instants qui pourraient sonner comme loufoques, mais qui ne le sont jamais. Bref, on est face à une grande et imposante œuvre de cinéma qui nous transporte totalement de bout en bout et sans la moindre peur. Lelio est un immense metteur en scène, et si vous aviez encore besoin, ne serait-ce que d'une infime petite confirmation, ce film est là pour ça. On ne peut pas ne pas parler du regard que le cinéaste porte sur son actrice. Une Julianne Moore, ici totalement sublimée par le metteur en scène argentin, qui parvient à faire ressortir à la fois l'âge que la femme porte, mais également la carrière qu'il y a derrière elle, pour ne laisser de place qu'à une protagoniste magnifique, et permettre ainsi à l'actrice de livrer une prestation tout simplement parfaite, de bout en bout. C'est tout cela qui fait le style du cinéaste argentin, et qui permet surtout à l'ensemble du long métrage de tenir la route, et de surtout réussir à faire en sorte que l'on se prenne de passion non seulement pour le sujet au centre de ce film, mais également pour la maîtrise d'un style et d'un ensemble cinématographique que Sébastien Lelio transcende avec perfection, pour donner lieu à un métrage qui restera dans ma mémoire longtemps, et qui s'impose comme une œuvre émouvante et sensible de bout en bout. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Gloria Bell, c'est un beau, grand, intense et délicat moment de cinéma qui ne cherche à faire qu'une seule chose. Vous touchez avec le plus de subtilité possible pour vous faire ressentir toute la palette d'émotions imaginables et perceptibles sur une pellicule de cinéma.